Bonsoir. Considéré par l'histoire comme un cruel despote, Néron est toujours associé à des crimes odieux. Dictateur sans scrupules, il aurait incendié Rome, persécuté les chrétiens, commandité l'assassinat de son frère adoptif, Britannicus, et celui de sa mère, Agrippine, et même tué de ses propres mains Poppée, sa femme enceinte. Mais quelle est la part de vérité dans ce portrait sans concession ? Ce soir, dans Science Grand Format, nous suivrons l'enquête de Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue. Soutenu par une équipe de scientifiques, historiens, toxicologues et spécialistes des papyrus, le profiler va procéder méthodiquement à l'analyse de chaque nouvel élément afin de déterminer si oui ou non Néron est bien responsable de ce dont on l'accuse. La description de l'empoisonnement de Britannicus est-elle compatible avec les substances connues à cette époque ? La reconstitution du dispositif mis en place pour noyer Agrippine confirme-t-il le compte-rendu ? La confrontation des récits de ces trois biographes aux autres sources d'archives est-elle convaincante ? Ces recherches vont nous montrer le personnage sous un tout autre jour. Alors, Néron, monstre sanguinaire ? Si la mégalomanie de Néron ne laisse aucun doute, un autre portrait se dessine, celui d'un empereur ambitieux aux idées modernes, intéressé par l'art, la science, le sport et aimé de son peuple. L'affaire Néron, autopsie d'un mythe, c'est un documentaire inédit à découvrir tout de suite sur France 5 et à retrouver sur le site France TV. Bonne soirée et vive la science en grand format. Néron, empereur de Rome. L'histoire a gardé de lui le souvenir d'un tyran cruel, un meurtrier, un fou doublé d'un pyromane. Un dictateur sans scrupules. Assassin de sa mère, de son épouse et de son frère d'adoption. Persécuteur de chrétiens, débauché et décadent. Mais quelle est la part de vérité et de mythe dans ce portrait sans concession ? De récentes découvertes et une relecture des sources historiques éclairent le personnage sous un nouveau jour. Autant d'éléments qui me font dire qu'il est temps de ressortir l'affaire Néron pour tenter de découvrir la vérité sur cet empereur romain. Rome, en l'an 64 de notre ère. Dans la nuit du 18 au 19 juillet, un incendie se déclare. Des quartiers entiers sont dévastés. Les flammes vont ravager la ville pendant 6 jours et 7 nuits. Depuis près de 2000 ans, il est entendu que c'est Néron lui-même qui a ordonné cet incendie. Il est entré dans l'histoire comme despote mégalomane qui aurait mis le feu à sa capitale, afin, peut-être, d'enflammer son inspiration artistique. Et la légende veut qu'il ait chanté en s'accompagnant de sa lyre, alors que les flammes dévoraient la ville et brûlaient son peuple. Mais ces récits sont-ils dignes de foi ? Leur impartialité est aujourd'hui remise en cause. Mon nom est Philippe Charlier. Je suis médecin légiste et anthropologue, spécialisé dans les affaires médico-historiques. Cette fois, je vais m'atteler au mythe de Néron. Les accusations portées à l'encontre de l'empereur au travers des âges vont-elles résister aux méthodes d'investigation modernes ? Et les sources historiques dont nous disposons sont-elles vraiment fiables et crédibles ? Est-il possible que Néron ait lui aussi été une victime ? Peut-être même la victime ? Nous sommes en l'an 54 de notre ère. Néron a 16 ans. Sa mère Agrippine l'emmène auprès de son époux mourant, l'empereur Claude. Les enfants nés du précédent mariage de l'empereur sont déjà à son chevet. Sa fille, Octavie, et son fils, Britannicus, âgé de 13 ans. Néron n'est que le fils adoptif de Claude. Mais il a 3 ans de plus que Britannicus. Si l'empereur meurt maintenant, c'est lui qui montera sur le trône. Les médecins tentent de sauver la vie de l'empereur Claude en le faisant notamment vomir à l'aide d'une plume de paon, car il a manifestement été empoisonné. Mais il est trop tard. Le mythe se met en marche. Agrippine est parvenue à ses fins. Elle a épousé Claude dans un seul but,
faire de son fils Néron le prochain César. Et pour cela, il lui fallait assassiner l'empereur avant qu'il ne proclame son fils Britannicus comme son successeur. Le mobile est tout trouvé. À Rome, assassinat et mise à l'écart d'adversaires politiques étaient monnaie courante. Quand on voulait prendre le pouvoir, on ne s'embarrassait pas de processus démocratique. Un putsch ou un attentat faisait très bien l'affaire. Agrippine aurait donc assassiné son époux Claude avec un plat de champignons vénéneux. La voie est libre, le jeune Néron peut désormais accéder au pouvoir impérial. Agrippine était certainement une femme à la fois ambitieuse et fine politique, qui savait parfaitement manœuvrer au sein de la cour impériale. Mais on ne peut pas affirmer avec certitude qu'elle a tué Claude. Ce sont ses contemporains qui l'ont supposé. Ce soupçon a dès le début jeté le discrédit sur le règne de Néron. La question qui se pose, c'est comment un empereur romain a-t-il pu devenir un monstre aux yeux du public? Qui sont ceux qui nous ont dressé ce portrait? De qui tenons-nous ces informations? Et surtout, les témoignages sont-ils fiables? Trois auteurs nous ont rapporté la vie de Néron, mais aucun d'entre eux n'est un témoin direct de son règne. Tacite n'a que 10 ans à la mort de l'empereur. Suétone naît 2 ans plus tard. Et Dion Cassius a vécu au siècle suivant. Tous trois nous ont dressé le portrait d'un tyran fou. Mais pour autant, ils ne prêtent pas le même rôle à Néron dans l'incendie de Rome. Le premier évoque les soupçons qui pèsent sur l'empereur, sans prendre parti. Le deuxième le dépeint sans hésiter comme un incendiaire. Et le troisième ajoute même que l'empereur chantait pendant que sa ville brûlait. Leurs récits présentent des divergences notables. Pourtant, ils ont fixé l'image que la postérité a gardée de Néron. C'est un constat que j'ai souvent fait dans mon travail. Les gens voient ce qu'ils ont envie de voir. Et parfois, ils disent ou ils écrivent ce qu'ils ont envie, eux, de dire ou d'écrire. Un fait incontestable est que les trois historiens biographes de Néron ont vécu après lui. Ils ne l'ont donc pas connu personnellement. Ce qu'ils savent de lui repose sur des récits de tiers. Il est donc tout à fait possible qu'ils aient inventé des événements qui leur paraissaient importants à eux. Britannicus n'a que 13 ans à la mort de son père. Il est réputé souffrir d'épilepsie depuis son plus jeune âge. Mais il représente tout de même un danger pour le jeune empereur Néron, car il pourrait un jour revendiquer le trône. Nous sommes en l'an 55, quelques mois après l'accession de Néron au pouvoir. La famille impériale a invité quelques hôtes au palais. Les banquets sont alors chose courante. Les trois historiens sont unanimes. Un empoisonnement a eu lieu au cours de l'un de ces banquets. Et ce meurtre, Néron en est l'auteur. Dans ce milieu où chacun se méfie de tout le monde, il n'est pas facile d'empoisonner un hôte. Tous les plats sont goûtés avant d'être dégustés. Dans le récit de Tacite, Néron use d'un habile stratagème. Il ne met pas le poison dans la nourriture de Britannicus, mais dans sa boisson. Les breuvages sont également testés par le goûteur. Néron fait servir une boisson qui ne contient pas de poison. En revanche, elle est brûlante. Tellement chaude que Britannicus ne peut pas la boire. Il lui faut donc de l'eau fraîche pour la refroidir. Et c'est là que se trouve le poison qui échappe ainsi au goûteur. Selon Tacite, le poison se répand immédiatement dans le corps de Britannicus. Il lui coupe à la fois la voix et le souffle. Les trois auteurs sont unanimes. L'adolescent meurt aussitôt.
C'est ainsi que Néron aurait éliminé un adversaire potentiel. Mais à l'aide de la science, on peut aujourd'hui mettre en doute cette théorie de l'empoisonnement. Assassiner par empoisonnement, d'un point de vue criminologique, c'est tuer sans faire couler le sang. C'est un meurtre propre. Le seul problème, c'est que c'est assez difficile et long à mettre en exécution, même dans la Rome antique. Les récits et les descriptions du décès de Britannicus parlent d'un poison rapide, incolore et inodore. Est-ce qu'une telle substance existait à l'époque de Néron ? Dans l'Antiquité, les poisons les plus efficaces sont d'origine végétale. On emploie l'if, le muguet, la ciguë ou la conie. À l'Institut de chimie analytique de l'Université de Vienne, on expérimente différentes solutions. Le but est de tenter d'établir l'authenticité du meurtre de Britannicus. Le poison employé devait être incolore et inodore. Sinon, il aurait immédiatement été remarqué dans l'eau. Il devait aussi agir en quelques secondes. Pour utiliser le poison contenu dans une plante, il faut d'abord l'en extraire. Dans l'Antiquité, on coupait la plante en petits morceaux avant de la faire chauffer. On libérait ainsi les composés toxiques, mais aussi les couleurs et les arômes, comme lorsqu'on fait infuser du thé ou de la tisane. Pour obtenir un poison plus puissant, il faut faire réduire le liquide pour en obtenir un concentré, ce qui accentue encore sa couleur et son odeur. Mais même si l'on filtre le liquide, la couleur subsiste. Tacite écrit que le poison se trouvait dans une cruche d'eau, cette eau qui a servi à refroidir la boisson bouillante de Britannicus. Le poison devait donc être très concentré, car il fallait qu'il continue à agir malgré deux dilutions successives. Fabriquer un poison inodore et incolore, mais dont la concentration est suffisamment élevée pour être efficace, ce n'est pas facile, même avec nos instruments actuels. Il est évident que les techniques de l'époque ne permettaient pas d'obtenir ce type de composé. Un autre facteur ne résiste pas à l'examen, le temps. Ces poisons d'origine végétale étaient absorbés par voie orale. Ils doivent emprunter l'appareil digestif avant d'entrer dans le sang. Il faut du temps pour qu'ils puissent faire de l'effet. Il est donc impossible qu'ils provoquent la mort en quelques secondes. Voilà qui suffit à jeter le doute sur la théorie de la mort subite par empoisonnement dont parle Tacite. Selon les experts en toxicologie, il n'y avait à l'époque pas de poison qui produise les effets décrits par les historiens romains. Alors est-ce qu'une crise d'épilepsie, par exemple, n'aurait pas pu être interprétée, dans ces circonstances bien particulières, comme une tentative d'assassinat ? Ce n'est certainement pas par amour maternel qu'Agrippine a poussé son fils sur le trône. Elle veut être régente de l'Empire, et Néron n'est qu'un pion. Pour Tacite, c'est elle qui détient le vrai pouvoir. Et elle ne s'en cache pas. Des pièces de monnaie de l'époque accréditent cette version. Lorsque Néron monte sur le trône en 54, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Sur l'avers des premières monnaies d'or frappées, les Romains peuvent voir non seulement l'empereur régnant, mais aussi sa mère. Ils sont placés sur un pied d'égalité, aux mêmes dimensions. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit et ne se reproduira plus jamais. Agrippine révèle ainsi sa prétention au pouvoir, une ambition qui va bientôt faire naître des désaccords entre eux. D'ailleurs, on peut suivre cette évolution sur les pièces. Quelques mois après la sortie des premières monnaies, une deuxième série est produite. On voit encore Agrippine sur l'avers, mais elle est reléguée à l'arrière-plan. Elle ne joue plus le même rôle qu'au début du règne. Et quelques temps plus tard, Agrippine n'apparaît plus du tout. Sa perte d'influence et le conflit qui s'amorce avec son fils sont donc clairement visibles sur les pièces. Néron a atteint l'âge adulte. L'adolescent est devenu un homme. Il a maintenant 21 ans. Les 5 premières années de son règne ont été fructueuses. Même les auteurs antiques le reconnaissent. Néron est un empereur ambitieux, aux idées modernes. Il fait construire des thermes et des marchés pour le peuple. Il gagne ainsi ses faveurs,
Il s'intéresse à l'art, au sport et à la science. Il a des idées en architecture inspirées par la lumière et le jeu des couleurs. Il a aussi de grands projets pour l'avenir. C'est le printemps. Néron se trouve à Bailly, une cité balnéaire dans le golfe de Naples. Cette petite station thermale est le lieu de villégiature préféré des Romains fortunés. L'empereur a organisé une fête en l'honneur de sa mère. Il veut oublier leurs différends et se réconcilier avec elle. Mais selon les historiens et les biographes antiques, ce n'est qu'une ruse pour pouvoir l'assassiner. Tacite rapporte que Néron raccompagne Agrippine, la couvrant de baisers. La vue de cette mère vouée à la mort, dit-il, attendrit peut-être un instant son âme dénaturée. Car le destin d'Agrippine est scellé, elle doit mourir. Néron retourne dans sa villa. Il attend qu'on lui annonce la mort de sa mère. Tacite et Dion Cassius décrivent l'événement plus en détail. Néron aurait fait préparer le navire d'Agrippine par des hommes de confiance. Une partie devait se détacher en pleine mer, de façon à ce qu'elle tombe à l'eau et se noie. Selon Dion Cassius, le navire pouvait naviguer normalement, comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'on actionne le dispositif. Ainsi, Néron ne pourrait être mis en cause. Car comme l'écrit Tacite, il n'est rien de plus fertile en hasard que la mer. J'ai lu un jour que si dans les cimetières d'altitude ou sur les côtes, on allumait un cierge pour tous ceux qui sont morts en montagne ou en mer, eh bien on pourrait y lire le journal en pleine nuit. Quand on enquête sur de tels accidents, il faut des experts, des spécialistes du vent, de la météo, des courants marins. Alors voyons à l'aide d'un argumentaire solide si l'histoire rapportée par les biographes pourrait être utilisée devant un tribunal. Dans le centre d'essai des Carènes de Vienne, nous allons procéder à une expérience. Selon Tacite, le navire d'Agrippine était une trière, un bateau à trois rangs de rameurs sur chaque côté. Agrippine était installée à la proue, dans une cabine luxueuse. Les techniciens du centre ont fabriqué une maquette du navire au 1/9. Ils vont tester un dispositif permettant d'ouvrir brusquement la coque. En toute logique, il s'agit certainement d'un clapet. Ils en ont donc placé deux dans la coque de la maquette. Le premier s'ouvre vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur. À sec, les deux fonctionnent parfaitement. Mais qu'en est-il en pleine mer? Pour tester le dispositif, la maquette est placée dans un bassin. Son tirant d'eau est rigoureusement identique à la description qui est faite de l'original. Les clapets se trouvent maintenant sous l'eau. Le clapet qui s'ouvre vers l'intérieur fonctionne comme prévu. L'eau s'engouffre immédiatement dans la coque. Mais il est impossible de tomber à la mer par cette trappe. Il faut donc écarter cette hypothèse. Il s'agit donc nécessairement d'un clapet qui s'ouvre vers l'extérieur. Mais la pression de l'eau l'empêche de se déclencher. Le navire continue à flotter comme si de rien n'était. L'équipe tente alors d'appuyer sur la trappe avec des poids. L'expérience montre qu'il en faut beaucoup pour que le clapet finisse par s'ouvrir. Sur un bateau grandeur nature, il aurait fallu un poids de 2 tonnes pour obtenir le même effet. En pleine mer, ce n'est pas envisageable. De plus, il est impossible de le refermer, ce qui veut dire que le bateau aurait rapidement sombré. Une conclusion s'impose. Les descriptions des auteurs latins ne résistent pas à l'expérimentation.
Pour eux, raconter la vérité ne consiste pas à décrire les événements, à les reconstituer de façon rigoureusement exacte. Il s'agit plutôt de faire un beau récit, d'enrober en quelque sorte ce qu'on veut dire, comme un gros bonbon, pour que le lecteur ait envie de le manger. Ce caractère romanesque ne facilite pas la tâche des historiens. On n'écrivait pas l'histoire comme aujourd'hui. Il s'agit d'une forme de récit dont le rôle est politique. C'est un facteur très important. Et c'est de la littérature, pas de l'histoire scientifique. Le but était de séduire le lecteur avec un style soigné et une histoire captivante, présentée de façon attrayante. Les auteurs antiques s'accordent à dire qu'Agrippine en réchappe. Elle est tombée à l'eau, mais parvient à regagner la terre ferme. Néron est alors pris de panique. Redoutant la vengeance de sa mère, il envoie des fidèles l'assassiner dans sa villa. Elle s'adresse à eux, disant « Frappez au ventre, c'est de là que vient mon malheur ». Dion Cassius ajoute que le fils demande ensuite à voir son corps nu pour le contempler. Tacite fait aussi état de cette rumeur, mais sans la confirmer. Personne n'était sur place. On sait qu'Agrippine a été assassinée, mais il est impossible de reconstituer ce meurtre dans le détail. Ce sont des histoires qui ont été inventées dès l'Antiquité, et tout le monde les a reprises. Et bien sûr, il fallait décrire ce terrible matricide de façon aussi dramatique que possible. Agrippine est bien morte cette nuit-là, mais qui est à l'origine de ce décès? Néron a-t-il commandité son assassinat? Cette rumeur le poursuivra toute sa vie, et bien au-delà. Les comptes rendus des auteurs antiques nous ont laissé l'image d'un Néron sanguinaire, un fils monstrueux, capable de tuer sa propre mère. Les historiens ne paraissent pas crédibles, et de fait, aujourd'hui, ils seraient retirés de la liste des témoins dignes de foi pour le meurtre d'Agrippine. Or, il n'y en a pas d'autres. Autrement dit, on dispose de comptes rendus affirmant que Néron a tué sa mère, mais en fait, on n'a ni preuve matérielle, ni indice exploitable. À l'été 64, un feu se déclare à Rome. La ville brûle. À l'époque, les incendies sont chose courante. Mais cette fois-ci, c'est différent. Les flammes dévorent des quartiers entiers de la capitale de l'Empire. Selon les chroniques romaines, Néron aurait mis le feu à sa ville. Suétone et Dion Cassius suggèrent deux mobiles possibles. Il aurait voulu dégager le terrain pour construire un nouveau palais, la Maison Dorée. Ou alors, stimuler sa verve artistique en contemplant cet incendie grandiose. Tacite, lui, ne préjuge pas de la culpabilité de Néron. Il écrit que la cause de l'incendie est le hasard, ou peut-être une perfidie secrète de l'empereur. Néron avait-il vraiment une raison d'incendier Rome? Nous avons déjà établi que les historiens n'avaient rien contre le fait d'écrire leur propre vérité. Mais que s'est-il réellement passé au cours des jours et des nuits où Rome brûlait? À cette époque, Rome compte 1 million d'habitants. Dans les rues, c'est la cohue permanente. C'est l'été. Les habitants se bousculent dans les ruelles étroites de la ville. À Rome, les terrains sont chers. On construit sans aucune planification urbaine, sans prise en compte du risque d'incendie. En plus, les édifices sont de mauvaise qualité. La plupart sont en bois et très proches les uns des autres. Une configuration qui sera fatale à la ville. Le feu se déclare dans la nuit, près du cirque Maxime, et il se propage de quartier en quartier. L'enfer va durer 6 jours et 7 nuits. Les fouilles ont montré que 2/3 de la ville ont été ravagées par les flammes. L'expansion rapide du feu et la violence des destructions ont immédiatement alimenté les spéculations. Comment le feu a-t-il pu s'étendre si rapidement? Est-ce qu'il y avait des incendiaires qui ont mis le feu en différents endroits? Ou est-ce qu'une seule étincelle a suffi? Le soleil estival a desséché le bois des maisons romaines. En ce jour de juillet,
La chaleur est caniculaire. Il n'a pas plu depuis longtemps. Le soir, pour s'éclairer, on allume des torches et de petites lampes à huile. On peut tenter de reconstituer le déclenchement et l'extension de l'incendie. Il peut démarrer avec une petite lampe à huile renversée par inadvertance. Le feu s'empare rapidement de la table et gagne le bois des meubles, puis des murs. Le jour de l'incendie, il soufflait un vent d'été, sec et chaud. Une torche, posée trop près d'une cloison, aurait pu créer un départ de feu. Très vite, l'incendie se déclare. Il est difficile de le circonscrire dans une ville construite en bois. Le feu atteint une température de 700 degrés. S'il y a du bois à proximité des flammes, eh bien le feu se propage immédiatement. Il saute d'une cloison à l'autre. La densité du tissu urbain, la chaleur estivale et le vent font le reste. Le feu s'étend à toute vitesse. Le centre de la ville est rapidement détruit, de même que les édifices impériaux, qui ne sont pas très éloignés du départ de feu. Le palais de Néron lui-même devient la proie des flammes. Il est impossible qu'il soit monté sur le toit pour célébrer l'incendie. Néron, revenant à Rome en toute hâte pour contempler l'incendie, pour célébrer ce spectacle avec sa lyre du haut de son palais, je pense qu'on peut sans hésiter qualifier cette histoire de pure affabulation. Néron aurait mis le feu pour libérer le terrain et se bâtir un nouveau palais ? Là encore, l'accusation ne résiste pas à l'analyse logique. Si Néron voulait de la place pour réaliser son projet de nouveau palais, il avait d'autres moyens de le faire. Il pouvait confisquer des terrains ou faire abattre des bâtiments. Autre contre-argument, la collection d'œuvres d'art de Néron est elle aussi détruite dans l'incendie. Si on considère les circonstances, les analyses historiques, la nature des édifices et le scénario qui en résulte, on ne voit pas de mobile expliquant clairement pourquoi Néron aurait mis le feu à Rome. Il semble plutôt que l'incendie soit le résultat d'une négligence. Aujourd'hui, on interprète différemment le récit de Tacite. Il prend lui-même des mesures pour lutter contre l'incendie. Il se montre soucieux de son peuple. Il fait ouvrir les jardins pour les sinistrés. Il prend soin de l'approvisionnement en blé. Il fait tout ce que la population romaine attend de lui à ce moment-là. Et son comportement ne cadre pas avec l'image d'un tyran fou et mégalomane. Il donne plutôt l'impression d'être un souverain mesuré et responsable. Tacite lui-même confirme cette gestion de crise responsable. Or, il est le seul des trois chroniqueurs à avoir vécu personnellement la catastrophe. Tandis que Rome brûle, l'empereur reste dans la ville, près des victimes. Il assure la coordination des secours. Pour sauver quelques quartiers, il fait creuser des tranchées par feu à travers les rues. Il lui sera d'ailleurs reproché d'avoir encore davantage détruit la ville. Mais dans ce labyrinthe de ruelles, il est impossible d'endiguer les flammes. Seuls 4 quartiers de Rome sur 14 seront épargnés. Des milliers de personnes meurent dans l'incendie, mais on parvient tout de même à sauver de nombreux habitants. Plus tard, lors de la reconstruction, Néron prend des mesures pour prévenir la ville de futurs incendies. Elles resteront en vigueur jusque dans l'Antiquité tardive. Les étages inférieurs des maisons doivent être construits en pierre. Les bâtiments ne doivent plus avoir de murs mitoyens. On élargit aussi les rues. Pourtant, la rumeur de l'incendie criminel continue de se répandre. On soupçonne l'empereur d'en être responsable. Pour faire taire les soupçons le concernant, Néron doit trouver un coupable. Il lui faut quelqu'un qui endosse la responsabilité de l'incendie de Rome. Et on lui dit que les chrétiens feraient de parfaits boucs émissaires. Dans l'imaginaire chrétien, Néron est le mal incarné. Il aurait condamné des centaines d'innocents à d'atroces supplices. C'est la première persécution de chrétiens de l'histoire romaine.
Cette histoire fait partie du mythe de Néron. Elle a fait de lui l'empereur fou, sadique et diabolique par excellence. La population n'accepte pas l'idée que l'incendie soit le simple fait d'une négligence. Les ravages qu'il a causés sont trop importants et trop graves. Et quelqu'un doit payer. Sous la pression de son peuple, Néron finit par désigner les chrétiens. Qui de mieux que cette nouvelle secte mystérieuse pour jouer le rôle de coupable ? Dans l'histoire de l'humanité, toute catastrophe est toujours suivie de la désignation d'un bouc émissaire. L'incendie de Rome n'échappe pas à cette règle. Pourquoi incrimine-t-on les chrétiens ? Quelle était leur importance à Rome ? Comment comptait-il propager cette foi nouvelle ? Les Romains se méfient de cette nouvelle religion. Les chrétiens enterrent leurs morts dans les catacombes, des kilomètres de couloirs souterrains avec des niches pour accueillir les cadavres. Tout cela est contraire à la tradition romaine. L'historiographie chrétienne a passé de nombreux faits sous silence. À l'inverse, elle en a exagéré ou inventé d'autres. C'est le cas pour ce qu'on a appelé la persécution des chrétiens sous Néron. On connaît assez mal les premiers chrétiens de la Rome antique. On sait que les Romains ne les apprécient guère. Voilà des gens qui refusent de vivre selon les principes de la civilisation romaine. D'abord, ils croient en un seul Dieu. Ensuite, ils n'acceptent pas que l'empereur soit considéré comme l'égal d'une divinité. Ils pratiquent aussi des rites étranges, et les prophéties de leur foi sont pour le moins étonnantes. Les premiers chrétiens croient en la fin du monde, dans un grand incendie. Tacite rapporte que certains chrétiens ont avoué avoir mis le feu à la ville. Alors vrai ou faux, le peuple réclame des coupables. Et Néron n'hésite pas. Des chrétiens sont condamnés et brûlés en place publique. Plusieurs milliers alignés le long des voies de circulation. C'est un mode d'exécution cruel et spectaculaire. Une mise en scène pour apaiser le peuple. L'empereur a puni le crime et les Romains assistent à la mort des criminels présumés. Pour Néron, l'affaire est close. Il n'existe d'ailleurs pas de preuve que d'autres persécutions ont eu lieu plus tard au cours de son règne. En tant que souverain, Néron a géré une catastrophe, l'incendie de Rome. Selon les analyses historiques, il a trouvé un coupable et il l'a puni d'après les lois de l'époque, sur la place publique, pour que son peuple puisse oublier sa douleur dans l'ivresse de la vengeance. Clairement, est-ce qu'il n'a pas agi comme il le devait en tant qu'empereur pour préserver son pouvoir et satisfaire la foule. Voici le forum romain aujourd'hui. Un peu plus loin, le Colisée. C'est ici que se trouvent les ruines de la Domus Aurea, la Maison Dorée. C'est ce palais qui a valu à Néron sa réputation de mégalomane. Aujourd'hui, la Maison Dorée est recouverte par d'autres édifices romains. On ne distingue plus rien d'elle. Elle a été redécouverte par hasard, au XVe siècle, à la faveur d'un effondrement. Les ruines des thermes de Trajan recouvraient depuis des siècles les hautes salles du gigantesque palais. Un grand nombre de fresques et de mosaïques avaient été préservées dans cette atmosphère confinée. On n'avait encore jamais rien vu de tel. Les fouilles et les analyses ont permis de reconstituer l'ensemble du complexe, dans toute sa splendeur. Avec la Maison Dorée, Néron a réalisé son rêve d'un univers tout entier dédié à l'art. Le palais doit porter sa marque. Il doit innover dans sa conception architecturale comme dans son décor. Allier la virtuosité des meilleurs artistes au génie des bâtisseurs romains. Il fait même construire une salle à manger montée sur pivot
dont le sol tourne sur 360 degrés. Les fresques des murs et des voûtes couvrent plus de 30 000 mètres carrés. Mais ce projet prestigieux engloutit des sommes énormes. De l'argent que Néron se procure auprès des Romains fortunés. La Maison Dorée provoque des différends avec l'aristocratie. Ce sont les premiers signes annonciateurs de sa chute. Néron est peu à peu tombé en disgrâce auprès de la classe dirigeante. Ce mécontentement est très certainement lié à cette construction gigantesque, la Maison Dorée, une demeure comme on n'en avait encore jamais vue à Rome. Elle est située au cœur de Rome et comprend plusieurs bâtiments, mais aussi des jardins, un lac artificiel et des fontaines rafraîchissantes. Néron fait même décorer quelques toits à la feuille d'or, d'où le nom donné au palais. L'histoire du monde est riche de souverains atteints de la folie des grandeurs. Et Néron figure en bonne place parmi eux. Ce palais de tous les superlatifs a été construit en partie sur les ruines de l'incendie de Rome. Et très vite, il provoque la controverse. Son fonctionnement coûte aussi cher que sa construction. Car une armée de serviteurs s'active dans l'ombre pour exaucer les moindres souhaits de l'empereur. Quand Néron est présent, il doit faire tomber des pétales de roses du plafond. Tout ici doit témoigner de sa grandeur et de sa magnificence. Néron a remporté des guerres et mis fin à des conflits larvés. Mais ce palais lui attire de nombreuses inimitiés politiques. On le taxe de mégalomanie. On lui reproche de dilapider l'argent du royaume. Suétone rapporte que Néron aurait déclaré « Me voici enfin logé dans une demeure digne d'un homme. » Est-ce qu'un homme qui pense que seule une demeure de cette dimension est digne de lui est vraiment saint d'esprit? Ou est-il au contraire complètement mégalomane? Au cœur de la Maison Dorée, Néron fait élever une statue à son effigie de 30 mètres de haut, un colosse. Sa taille la rend visible de tous les endroits de la ville. Pour l'élite romaine et pour l'historiographie future, Néron a perdu tout sens des réalités. Rien ne permet d'affirmer que Néron était fou. Il a été décrit comme tel par les chroniqueurs, mais il n'a manifestement jamais souffert de maladie mentale. En revanche, son comportement était sans doute difficilement compatible avec la gestion des affaires publiques au quotidien. Car Néron se préoccupe de plus en plus de lui-même. Et puis, il aspire à fonder une famille. Il épouse Poppée, une jeune femme issue d'une riche famille de Pompéi. En l'an 65, elle attend un enfant. Dans ses écrits, Tacite raconte que Néron aurait alors commis sur elle l'un de ses crimes les plus odieux. Et cette fois-ci, en personne. Une fois de plus, dans le cas de la mort de Poppée, nous avons des récits, de prétendus témoignages, mais pas de preuves. Peut-être qu'un nouvel élément pourrait éclairer cet épisode ténébreux de l'histoire de Néron. À la fin du 19e siècle, des archéologues britanniques ont découvert en Égypte un site exceptionnel. Dans la ville d'Oxyrhynque, ils ont mis au jour des centaines de papyrus datant de l'époque romaine et byzantine. À cette époque, Oxyrhynque fait partie de l'Empire romain. C'est une cité prospère qui compte près de 10 000 habitants. Les archéologues entreprennent d'assembler les fragments de papyrus. Mais l'un d'eux va attendre plus de 100 ans avant d'être redécouvert. Lorsque Paul Schubert, chercheur en papyrologie grecque à l'Université de Genève, entreprend de l'étudier, tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'agit d'un poème écrit en grec. Je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais trouver sur ce papyrus. Au début, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'avais simplement un fragment en très mauvais état de conservation. «
Le document a été rédigé environ 200 ans après la mort de Néron. La traduction ne pose pas de problème, mais le contenu fragmentaire est surprenant. Tout d'un coup, je tombe sur le nom de Néron. Pas possible. Alors je continue à déchiffrer, et puis voilà que je retombe sur le nom de Néron un peu plus loin. Une troisième fois, et finalement une quatrième fois. Donc plus de doute possible, Néron était là, et il fallait que je l'intègre dans l'histoire. Deux siècles après son règne, Néron apparaît dans un texte aux côtés de son épouse mourante. Mais aucun élément ne vient corroborer la théorie d'un décès violent causé par l'empereur. L'histoire qui nous est racontée par ce papyrus, c'est celle d'un couple. Vous avez Néron, vous avez Poppée, un couple aimant, avec Poppée qui va donc mourir, mais de façon relativement tranquille, si j'ose dire. Alors que, précisément, dans les sources telles que nous les connaissions jusqu'à présent, on avait une histoire terrible, celle de Néron qui, dans un accès de rage, donne un coup de pied dans le ventre de son épouse, enceinte, et la tue. Donc, cette histoire de la mort violente de Poppée, c'est une histoire qui, vraisemblablement, ne tient pas la route. On ne peut pas dire que les chroniques romaines ne sont pas dignes de foi et considérer comme vrais les récits qui présentent Néron sous un jour plus positif. Ce sont des descriptions qui, dans une large mesure, reflètent d'abord l'intention de leur auteur. Le papyrus d'Oxyrhynque montre qu'il existe d'autres sources que les trois chroniques des historiens. Des sources qui parlent de Néron en des termes bien différents. On ne saura sans doute jamais ce qui est arrivé véritablement à Poppée. Peut-être a-t-elle souffert de complications fatales au cours de sa grossesse. En tout état de cause, le coup de pied de Néron dans le ventre de son épouse est probablement une invention. Les chroniqueurs avaient besoin d'un mythe. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les versions diffèrent. Les contemporains savaient très bien qu'on ne pouvait pas élucider la mort de Poppée. En revanche, on voulait faire de Néron un homme méchant. Alors on a raconté le type d'histoire que l'on rattache depuis des siècles à un tyran. Les tyrans tuent les femmes enceintes. Il y a un autre fait remarquable. C'est qu'un auteur aussi important que Tacite décide d'assumer cette histoire et d'en faire une vérité historique. On voit donc ce qu'ils entendent par vérité historique. Ce n'est pas ce qui s'est vraiment passé, c'est leur vérité. Et leur vérité, c'est une histoire plausible qui montre clairement que Néron était un tyran. Pompéi a été anéantie par l'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère. Mais la ville n'a pas été complètement détruite. Ses vestiges livrent encore aujourd'hui de précieux renseignements sur la société romaine de l'époque. Certains indices semblent démontrer que Néron était apprécié de la population. Des inscriptions sur les murs, les graffitis de l'époque, témoignent de l'état d'esprit du peuple. Ce qui m'a vraiment surprise quand j'ai commencé à travailler sur le terrain, c'est l'échelle minuscule de ces inscriptions. Nous, gens du XXIe siècle, quand nous pensons graffiti, nous voyons des peintures faites à la bombe, de grosses lettres voyantes et très expressives. Mais dans l'Antiquité, il s'agissait parfois de tout petits gribouillis. La plupart se trouvent dans les maisons qui bordent la Via della Bonanza, la rue de l'abondance. Nombre de ces inscriptions ont été détruites au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais des photographies antérieures permettent de les reconstituer. Nous avons 80 graffitis. Ils ont été écrits par Monsieur Tout-le-Monde, par des habitants ordinaires de Pompéi. Et on en trouve à travers toute la ville, dans les maisons, même dans les cuisines. Ces inscriptions portent le nom de l'empereur.
et elles n'ont pas été effacées. Il n'y en a pas une qui critique l'empereur ou témoigne d'un ressentiment. Ces graffitis nous montrent que Néron était populaire. Nombre de ces inscriptions en l'honneur de Néron ont été retrouvées dans la maison d'un citoyen du nom de Publius Pacius Proculus. L'un d'entre eux pourtant se démarque. Il fait encore débat aujourd'hui, car il pourrait critiquer le ministre des Finances de Néron, le qualifiant de Sigu, le poison. Une autre inscription témoigne, elle, de la popularité de Néron à Pompéi. Les gladiateurs de l'école impériale s'appelaient eux-mêmes les Néroiani, les Néroniens. On pense que Néron a sans doute levé l'interdiction des combats de gladiateurs allant en vigueur à Pompéi. Pendant 10 ans, la ville n'avait pas été autorisée à organiser des jeux. Les habitants étaient assez mécontents. Et puis, Néron est arrivé et leur a dit « Allez-y, vous pouvez recommencer ». Voilà pourquoi il était apprécié. Panem et Circenses, du pain et des jeux. C'est la stratégie romaine de tout temps pour se faire aimer du peuple. Mais à Rome, la popularité n'est pas synonyme de pouvoir politique. L'aristocratie, c'est-à-dire le Sénat, se sent de moins en moins représentée par Néron. L'empereur n'enrichit pas les sénateurs. Au contraire, ce sont eux qui lui donnent leur argent. Néron était aimé parce qu'il savait comment satisfaire les besoins du peuple. En revanche, l'élite romaine voulait imposer sa propre popularité au détriment du peuple. L'escalade était inévitable. En l'an 66, Néron fait un voyage en Grèce, en compagnie de nombreux fidèles. Le voyage dure presque 1 an et demi. Il se rend aux Jeux, à Olympie, et il assiste à des représentations théâtrales. Il insiste même pour participer au spectacle, comme athlète ou comme acteur. C'est un affront infligé à la morale de la classe dominante romaine. Un empereur doit remplir ses devoirs politiques. Il doit représenter les vertus romaines. Il doit être belliqueux, courageux et mépriser la mort. Néron, lui, n'a que faire de ses rôles imposés. Ce qui l'intéresse, c'est l'art. Ce besoin incompréhensible attise encore plus l'hostilité de l'aristocratie. Néron ignore tout cela. Il veut témoigner de son admiration pour la Grèce. Alors, il offre la liberté à la province d'Achaïe, dans le Péloponnèse. Il la dispense par conséquent de payer des impôts à Rome. C'en est trop pour le Sénat et l'aristocratie. Comédien, chanteur, musicien, toutes ces occupations avaient très mauvaise réputation dans l'Antiquité romaine. Les comédiens et les chanteurs étaient d'ailleurs au plus bas de l'échelle sociale. Pour le reste de la société, c'était un milieu louche. Il était inimaginable qu'un empereur se mêle à ces gens, et a fortiori, qu'il participe activement à ce type d'activité. De notre point de vue contemporain, il ne paraît pas répréhensible qu'un gouvernant soit aussi un artiste. Mais Néron a franchi une ligne rouge. Il a donné de plus en plus de place à son activité artistique, tant et si bien qu'il n'avait plus de légitimité à exercer des fonctions politiques. La population elle-même devait le considérer principalement comme un artiste. Il est clair qu'il avait dépassé les limites de l'acceptable. Le Sénat en a assez de Néron, un sentiment partagé par une partie de l'armée. Des révoltes éclatent dans les provinces. L'Empire menace d'exploser. Néron est déclaré ennemi de l'État. Cette décision signifie la perte du titre d'empereur, mais aussi la mort. Aujourd'hui, nous voyons les empereurs romains comme des souverains tout-puissants. Ils l'étaient tant que la garde prétorienne était derrière eux et que l'armée les soutenait ainsi que la majorité du Sénat. Mais c'étaient des souverains au pied d'argile. S'ils perdaient l'appui de l'un de ces groupes, ils se trouvaient très vite privés de pouvoir. Néron prend la fuite. Il se réfugie dans une maison en pleine campagne. Il sait ce qu'il attend s'il est fait prisonnier par le Sénat. Selon la loi romaine, il sera exhibé nu à travers Rome, une fourche passée à travers le cou. Seul le suicide peut lui permettre d'échapper à un tel châtiment.
Suétone raconte dans ses chroniques les dernières heures de Néron. Il dresse le portrait d'un homme défait, lâche et irrésolu. Ce n'est qu'à l'approche des cavaliers qui venaient l'arrêter que Néron se serait résolu au suicide. Mais avec tant d'hésitation, nous dit Suétone, que son fidèle serviteur aurait été contraint de l'aider. Suétone le dépeint comme un esprit faible, veule et imbu de lui-même. Ce ne sont absolument pas là des vertus romaines. Mais personne ne sait vraiment comment Néron s'est suicidé. Après les funérailles, le Sénat prononce la damnatio memoriae. On maudit sa mémoire et on le condamne à l'oubli. Ses bustes sont détruits, les inscriptions martelées. Bientôt, sa mauvaise réputation sera entretenue par ses biographes, Tacite, Suétone et Dion Cassius. Ils appartiennent eux-mêmes à la noblesse et au Sénat. Autrement dit, ils font partie de ses opposants. Si on considère les faits individuels d'un point de vue moderne, si on tient compte des avis des experts issus de différentes disciplines, on s'aperçoit qu'à un moment de l'histoire, on est complètement sorti de l'objectivité pour aller dans la spéculation, des hypothèses et des portraits exagérés et subjectifs. On peut même se demander si dans le système judiciaire actuel, Néron aurait été accusé de quoi que ce soit. Il est même presque certain qu'aucune des accusations évoquées n'aurait été retenue contre lui. Aujourd'hui, il est certain qu'il ne serait pas jugé coupable.